Namaskar. Fréquentation est une grande affaire, ça. Fréquentation, li fait un djimoun vin bon, ou soit li capable faire djimoun la vin bien, bien méchant. Tout dépend de sa fréquentation. Dès l'eau, des natures, ce qui y était, nous connaît. En fait, de l'eau, nous pas capable de dire exact qui couleur y était. Mais de l'eau, l'idée de l'eau. Si vous prenez ça de l'eau là, vous mettez dans une bol safran, définitivement, il pouvait une zone. Ça de l'eau là, vous mettez dans un bol mazavarou, ça tient piment, normal il pouvait une fort. Ça de l'eau là, vous mettez dans un bol du miel, dans un pot du miel, définitivement il pouvait doux. Quand vous mettez il pouvait une sans même. Quand même qui couleur, ou soit qui goût il pouvait être, tout dépend que vous pouvez mettre. Comme ça même, un djimoun, un être humain. De naissance, n'est pas méchant, n'est pas mauvais. Tous enfants naissent normal, naturel. Et tout petit bébé qui naît, il peut dépendre de qui parent il y en a, sur l'environnement, sur fréquentation. Ou prend sa petit bébé qui ne fait que nain là, ou mettez dans l'Angleterre, normal il pour cause anglais. Ou mettez dans la France il pour cause français. Li nain dans Maurice il pour cause créole, comment nous peut causer. Quand même, quand tout mettez li, quand même, quand tout mettez li, li pour vivre ça même. Comme ça même, fréquentation, li fait du monde vivre bon, méchant, li fait li vivre intelligent, comment li capable faire li vivre bien, bien bête. Il est capable de venir un voyou, soit il vient un grand dévot. Tout dépend de sa fréquentation. Pour sa fréquentation, la même, qui nous dit satsang. Et satsang, bien, bien important. Si peine satsang, peine sa bonne fréquentation. Et si satsang veut dire ou fréquente ben bon du monde. Ou fréquente ban dévot, ou reste dans association ban dévot. Définitivement, ou si ou pour venir un dévot. Ça même appelle satsang. Et satsang veut dire, ou peut lire ban bon livre, ce qui ban sage in écrire, ban bon dévot in écrire, le temps où lire les autres ban livres, ça aussi appelle ça un satsang. Là, ou peut fréquenter, ou peut rentrer dans sa association, ou peut rentrer dans sa la vie, sa bonne pensée, pour sa bonne bon dévot, ce qui écrit sa livre là. Quand on peut lire bon livre, ou peut finir fréquenter sa bonne pensée là. Ou peut fréquenter sa personne qui écrit là. Et ou peut commencer con son pensée, son caractère, son sentiment qu'il y a là-dedans. Si vraiment on rentre bien dans sa livre là. Donc ça aussi dit bon ça. Au lieu qu'il peut perdre ou le temps pour lire un livre qui pas pour faire ou du bien, vaut mieux pas lire. Mais reste toujours dans association ban dévot. Fréquente bon du monde. Guettez bien. Or qui s'en là ou peut marcher. Alors, qui s'en a où peut vivre? Quand tu peux aller, guette bien. Parce que tout peut dépendre. Tout peut dépendre. Alors, qui s'en a où peut vivre? Définitivement, vous pouvez gagner sa qualité si vous pouvez fréquenter. Après, l'innaturel. Une personne, elle peut fréquenter un sous l'or. Nous disons comme ça.
nous Mauriciens. Les bois, les sous, les ourés, les venaient un respect pour sa famille, pour sa madame, pour ses enfants, pour tout le monde, ils venaient aucun respect. Où elle fréquente une personne comme ça? Définitivement. Pas aujourd'hui, pas demain, ou si vous tombez dans la drogue là. Et ou aussi ou pour cause même langage, comme on dit. Mais si vous fréquentez un bon du monde, qu'il y ait une bonne pensée, les causes bien douces, définitivement, doucement, doucement, ou aussi ou pour commence, gagne son qualité, son manière. Et ça, il vous fait du bien. Donc, fréquentation est une grande affaire, ça. Veillez. Veillez. Qui nous fréquente toujours, ben, bon du monde. Je ne veux pas vous dire qu'il y a besoin d'ignorer qui est. Pas ignorer qui est. Content tout. Cause bien avec tout du monde. Mais seulement, bien sûr, une pensée un peu plus spéciale pour ben, bon du monde. Parce qu'il connaît, ça va du monde qui n'est pas bon là, nous pouvons gagner d'autres mauvaises manières, mauvaises qualités, et nous pouvons faire mal du tout. Donc, fréquente le bon, reste parmi le bon du monde. Et fais des efforts pour faire ça, le méchant là aussi, vient bon. Guettez comment? Si vous pouvez fréquenter les autres, vous avez besoin bien fort, et guettez comment pour faire ça, ce qui n'est pas bon là, vient bon. Ça a un grand du bien ce qu'on est capable de faire, l'eau sur la terre là. Si on récite, tire qui qu'elle, depuis dans ce mauvais côté, on met dans un bon côté là. On récite, tire qui qu'elle dans l'obscurité, on met côté lumière. Ou tire le côté ignorance, on met côté connaissance. C'est un grand du bien où on finit faire ça. Et bon Dieu pour bien content. Donc, pas ignorer qui est, les bons, les méchants, qui y était, mais guetter comment pour amener tout ensemble.